cosmétique, ce n'est pas que le make-up, ce n'est pas que le maquillage, et ce n'est pas que le visage. La cosmétique, dans la compréhension en tout cas, c'est tout ce qui concerne la peau. La peau, elle a une fonction, mais vraiment utile pour notre corps. Ce n'est pas seulement sur le visage, mais c'est le visage et le corps. On a à peu près 2 mètres carrés de peau sur nous. Donc là, c'est important de le savoir. Notre vision ici n'est pas que faire du maquillage et faire de la peinture, même si ça agit sur la peau. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt du soin de peau en général, visage comme corps. Donc, on va faire un petit focus sur la peau qui est, comme je vous l'ai dit, même jusqu'à la pointe des cheveux, hein, on a de la peau aussi ici. Donc, il est important de le savoir. Quelle que soit la peau et partout où vous l'avez, cette peau, elle est constituée de 3 couches, de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme. Ça, on le sait depuis la terminale et vous allez le recevoir dans le support de cours que je vous ai préparé. Vous allez pouvoir le voir à la maison et me poser des questions si c'est nécessaire. Mais ça, c'est des connaissances tout à fait générales. Dans le schéma que je vous ai mis dans le support de corps, de cours, vous avez 3 couches essentielles. Il faut savoir que tout ce qu'on se met sur la peau va rentrer dans ces couches-là. Mais d'abord, la peau, elle est un organe à part entière. La peau, elle a plusieurs fonctions. Première fonction, la barrière. Elle a une fonction barrière contre les agressions de l'extérieur. Il y a de la pollution, il y a la chaleur. Il y a beaucoup d'agressions, même le feu. Il y a à cause ou grâce aux nerfs sensoriels, la peau va jouer son rôle de barrière et donner l'information au cerveau pour nous protéger. Donc, première fonction, fonction barrière de protection. Ça veut dire que la peau, elle a sa fonction, elle a une façon de travailler et qui est utile, même, plus même nécessaire à notre survie. Donc, il faut en prendre soin. Cette peau, elle va nous protéger de l'extérieur, des agressions de l'extérieur. Admettons, à Tuléar, c'était le cas pendant les 15 jours où j'étais, 40 degrés à l'extérieur, le corps à l'intérieur fait 37 degrés. 40 degrés à l'extérieur, c'est quand même une agression. Et bien, la peau, elle va jouer son rôle de régulateur thermique grâce aux nerfs sensoriels qui se trouvent à l'intérieur. Et il va faire en sorte que la température interne soit toujours à 37, 36, 5, 36, 9, selon les personnes. Donc voilà la première fonction de la peau, barrière et régulateur thermique. En plus de cela, cette peau-là, elle vit dans le temps. À cause des cellules, dans le schéma, il y a les 3 couches de cellules que vous allez voir, et ces couches de cellules qui vont absorber ce qu'on peut leur mettre et à l'extérieur et à l'intérieur. Vous avez la peau qui est ici, il y a l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'est important de le savoir quand on veut aborder une cosmétique, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit ici, de tout ce que vous voyez là, il vous faut savoir que ce que vous voyez ici, que vous mettez à l'extérieur, va agir à l'extérieur et aussi à l'intérieur. Et ce que vous mettez à l'intérieur par ce que vous mangez, par ce que vous absorbez sans vous en rendre compte, en France, on sait qu'on a Tchernobyl dans le coin, on sait qu'on a les centrales atomiques pas loin, on sait qu'on a l'amiante pas loin, tout ça, on respire tout ça sans s'en rendre compte. Et tout ça, ça peut avoir une action sur la peau et c'est toujours dans le domaine de la cosmétique. On n'aura pas le temps de tout aborder pendant 2 heures, évidemment, 1h30, mais on va faire ce tout. On va juste faire ce qui est nécessaire. Des kératoses, c'est boréique. Ça, c'est des kératoses, en fait. C'est pas esthétique, c'est pas joli, mais c'est pas dangereux. Comment ça vient? Pourquoi ça vient? Sur les couches que vous allez voir, vous allez avoir à l'intérieur des mélanocytes et vous allez pouvoir observer. On me demande, mais est-ce qu'il y a des crèmes qui enlèvent ça ou qui... On peut l'enlever, oui, au laser. Moi, je travaille avec un médecin esthétique. On peut l'enlever, mais ça va revenir. Pourquoi ça va revenir? Parce que quand on comprend la peau, on comprend que ça va revenir. Et que ce n'est pas parce que ceci ou cela, c'est juste les cellules qui s'appellent des mélanocytes dans la couche interne en dessous de l'épiderme qui vont en fait protéger la peau. Il y a des cellules qui s'appellent des mélanocytes qui vont agir sur la peau quand on a une agression du soleil. Et c'est essentiel.
avec l'âge. Avec l'âge. Donc c'est exactement ça. Donc qu'est-ce qui se passe entre l'enfance et la quarantaine là? 45 ans, ça commence à être. Qu'est-ce qui se passe entre temps? Et c'est pas que là, hein. Moi j'en ai pas. Oui, oui. Je n'expose pas au soleil. Je ne vais pas. Ce n'est pas que ça. Donc il y a une perturbation hormonale, perturbation. Je n'aime pas ce mot perturbation hormonale, parce que c'est dans la loi naturelle des choses. C'est dans l'ordre naturel des choses que les cellules vieillissent, et c'est dans l'ordre naturel des choses de commencer et de terminer. Donc à partir du moment où on s'en rend compte, on va faire en sorte que les choses se passent bien. On peut lutter si on veut, mais je pense que si on luttait contre les vieillissements des cellules et qu'on veut l'en empêcher, ça ne va pas aller dans le sens du bien-être. D'accord ? Et surtout, ça va aller vers le stress et ça va aller vers les choses absolument impossible, il ne faut pas rêver non plus. C'est pour ça qu'il faut se retourner vers la nature. Et retourner vers la nature, c'est penser qu'il y a un début et une fin, la naissance, la maturation, et après, la mort des cellules. Okay? Et après, le recyclage. On se recycle. Hein? Après, on va redevenir terre, on va redonner des fleurs, et puis après, ça va. C'est comme ça, c'est la loi de la nature, et il faut en tenir compte. D'abord, parler des taches brunes, c'est quelque chose de. C'est ça en fait. Vous allez voir aussi les personnes qui ne voient jamais le soleil, qui sont très très blancs, tous les mélanocytes vont pas travailler, mais c'est les mélanocytes qui donnent ces taches brunes-là. Quand on est enceinte, on a une perturbation hormonale, c'est œstrogène, progestérone, et bien on peut avoir aussi avec le soleil des taches brunes comme ça. Ok ben, quand on arrive à la préménopause, quand on a des. Les hormones qu'on gère, etc., qui arrivent, et là, perturbations qu'on a, et on les a. Ok ? Acné, ça peut être le soleil, c'est aussi une agression externe, c'est une réaction en fait de la peau par rapport à une réaction, une agression externe. Mais encore, hormonale, en général, ça arrive vers les changements hormonaux de l'adolescence, et c'est ce qui arrive, c'est en fait. La peau, elle va montrer les symptômes d'une activité interne juste sur l'externe. Et tout ce qu'on peut faire avec la cosmétique, c'est d'atténuer. Il ne faut pas penser qu'on va les gommer. C'est juste atténuer l'extérieur et puis après faire en sorte qu'on le vive le mieux possible. Si on peut atténuer de l'extérieur, il faut savoir qu'on peut aussi atténuer de l'intérieur. On peut apporter des vitamines de l'extérieur comme ça, attention c'est de la vitamine de synthèse du coup, mais on peut manger de bonnes choses, ça, c'est très bénéfique pour les cheveux par exemple, on mange toutes les vitamines qu'il faut, ben, on a de la vitamine C. Pour diminuer les taches brunes par exemple, eh ben, on peut prendre de la vitamine C, c'est-à-dire beaucoup de carottes, paraît-il que ça rend aimable, mais on peut mettre de l'huile de carotte sur le visage. Mais il ne faut pas oublier de manger des vraies carottes, de l'intérieur aussi, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que vous avez beau mettre une tonne d'huile de carotte sur le visage et que vous mangez que des frites. C'est du bois de santal qu'on met dans de l'eau, qu'on infuse.
C'est un antiseptique évidemment. Le noni, ça marche surtout. Et après, ici, c'est le manjavasana. Alors, où est-ce que tu as mis agression c'est un complexe déjà. Donc, Quand c'est maintenant une opération et toi, quand j'aime de faire ma meilleure gomme d'oxantane, il faut étaler en fait la poudre parce que ça se condense très vite et ça fait des grumeaux. Et c'est très important, on va le chauffer. C'est pour ça que j'ai fait trois phases, parce qu'on fait la première phase, on va chauffer, on fait la deuxième phase, on va chauffer, et on fait la troisième phase après. All right? Ok. Tini balance la tique. Ok, on tape, on va faire ça et on met ça. Tia, 115 grammes. Enfin, c'est une observation que j'en ai. Oups, mais non, c'est là tu as. Et éparpille, tu vois, voilà. On en est à combien toujours? C'est bon. Un sel, voilà. C'est bon. Attention, méfie-toi. Un peu plus. Mets ça. Ils ont tout compté. C'est tout pour le même endroit. Parce que on va mettre ici. On va mettre ici, au feu. Tu vas pas. En fait, il faut la chaleur pour que ça se diffuse. Et ça bouffe, faut pas que ça monte en ébullition comme ça. Oui, l'essentiel là, ça va s'épaissir encore, ça va continuer à s'épaissir. Est-ce qu'on peut rajouter un peu de chaleur? Oui. Ici, peur de. Faut pas que ça. Beurre de cacao, ça c'est pour vous verrez dans la composition qui fait les taches brunes. Comment est-ce qu'on peut renourrir les mélanocytes pour qu'ils travaillent encore mieux pour éviter les taches brunes? On va ajouter de l'acide gras, des acides gras essentiels, et c'est dans le beurre de cacao. Moi j'ai pris du beurre de cacao désodorisé, comme ça va pas mélanger, ça va pas ajouter plus d'odeur. Une volontaire pour touiller, continuez à touiller. À mélanger. On va faire la phase maillée. Ok. On va faire la phase huileuse. Donc, l'huile de son de riz, c'est du son de riz qu'on va presser, des graines qu'on va presser, et de ces graines-là, on va en extraire l'huile. Ok. Ça, donc, on a tous les bienfaits et de préférence. On continue à touiller. Et de préférence à basse température, parce que la température qui augmente altère les bienfaits naturels des composants. La différence avec, par exemple, ça c'est un macérat huileux d'arnica que j'ai utilisé, que vous pouvez sentir sur mon baume Kachafai, c'est pour les sportifs. Moi j'ai pris l'huile d'arnica, c'est de l'huile de tournesol, dans lequel on fait macérer des feuilles et des fleurs d'arnica. Ok? Donc on a les bienfaits, les molécules vont passer de l'arnica, mais c'est pas de l'arnica pure en soi. C'est de l'huile de tournesol, c'est un solvant dans lequel on va faire baigner les fleurs d'arnica et les feuilles d'arnica. Et on peut faire pareil pour tout.
les feuilles de Manjavasa, les feuilles de noni, enfin il n'y a pas de feuilles de noni, mais si, on peut faire un jus, c'est ça en fait. L'huile de tournesol, ça coûte très peu cher et on peut faire plein de choses. L'odeur a son importance. Ça, c'est le beurre de cacao chez Aromazone qui est facile à tourner aussi. L'avantage des matières grasses, c'est que ça c'est du beurre de cacao de Madagascar, du bon beurre de cacao, hein, vous verrez, vous faites circuler, vous verrez la différence. Et vous avez des points de fusion. On appelle le point de fusion. Le point de fusion, c'est la température à laquelle tout s'assemble et tout devient liquide. Et le point de fusion de l'olive mil, c'est 75 degrés. 14 ans. Le collagène, ce sera l'anti-ride, en fait, l'effet tenseur. Quand on veut, pas éliminer, mais quand on veut tirer un peu, on va rajouter du collagène, parce que c'est le collagène le responsable de la peau qui fait ici. Donc, les collagènes, c'est là. Thank you.
Là, je vous montre la base qu'il faut enrichir et qu'il faut enrichir. Quand tu l'as, on ici, pour l'anissi, ils ont maintenant un timer, eh? Il faut 30 secondes. On a besoin de 30 secondes. Là, c'est mon moment préféré. Allez, Inch'Allah. Là. La magie a opéré, ça sent bon le miel. Ça sent vraiment bon le miel. Là, comme ça sent vachement le miel, j'ai envie d'aller vers une odeur vanillée, par exemple. Oui. Ça vous va? Oui. À l'Aïtique, elle est divine vanille. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Quelques gouttes. Vous allez vous mettre de la vanille, du miel, ça c'est divin. Un atelier, mais c'est pas évident parce que il a des laits, tout ça peut être efficace. Ça peut être. Là, ça fait les 30 secondes. Ce qu'il y a, c'est que rien ne peut vous faire de mal dans cette crème-là. Tout est naturel, donc tout va être bien. Je pense que tu as la peau mixte. On va juste rajouter la phase aqueuse, c'est-à-dire que nous avons les formules. Alors, quelle est la phase aqueuse? Je vous conseille de bien nettoyer la peau, de vous le passer une nuit. Si vous avez la peau trop grasse, et là, vous pouvez juste le faire une fois par semaine et vraiment, ça va agir. C'est moi? Ça va agir et ça va faire du bien. Thank you.